Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, le soleil fait son comeback. Et oui, l'été approche à grands pas et c'est maintenant qu'il faut y penser si on veut avoir un corps de rêve sur les plages cet été. Et forcément, pour parler de corps de rêve, on est obligé d'aborder un sujet qui nous intéresse à tous. Aujourd'hui, c'est le sport, le coaching sportif. Et on a l'honneur de recevoir aujourd'hui un coach sportif, on va dire très réputé à Paris. Il est maintenant connu par toute la jet set parisienne. Depuis qu'il a fait perdre 30 kilos, Wesley Semet, le finaliste de The Voice saison 3. Il s'agit de Jérémy Nizar. Bonjour Jérémy, comment ça va ? Ça va super bien, soleil agréable. On est vraiment très très bien ici. Alors Jérémy, depuis Wesley Semet, donc le finaliste de The Voice saison 3, tu as coaché plein d'artistes. Il y a eu Jennifer. Déjà, hein, la gagnante de la Star Academy et coach vocal de The Voice. Il y a eu également Amir Haddad, notre chouchou. Il y a eu aussi d'autres artistes, tels que les membres du groupe Kassav. Il y a eu Harry Habitant et j'en passe et des meilleurs. Raconte-nous un petit peu comment tu as atterri dans le milieu People et comment tu es devenu le coach des stars à Paris. Concours de circonstances, c'est Wesley Semet, voilà, comme je l'avais dit auparavant. C'est une vraie rencontre au départ, et ensuite un coaching qui s'est mis en place. Et c'est vrai qu'il fallait faire une transformation pour Wesley sur donc la première audition à l'aveugle le premier prime. Et le défi, c'était de lui enlever en 5 semaines un maximum de poids. On a fait un vrai résultat. On a réussi à enlever dans les 5 semaines une trentaine de kilos. Et ça a suivi de 10 kilos par la suite jusqu'à la fin de la finale. Alors depuis Wesley, donc tu en as coaché des artistes, raconte-nous un petit peu, donne-nous des détails croustillants, on veut tout savoir. Bah, il y a des artistes avec des contrats d'exclusivité, donc malheureusement j'ai pas le droit d'en parler, mais c'est vrai qu'il y en a eu pas mal d'autres. Je suis parti en Martinique pour coacher le groupe Kassav. J'ai coaché Amir. C'est une vraie... Alors raconte-nous, tu es obligé de nous raconter comment ça s'est passé avec Amir. Est-ce qu'il a joué le jeu ? Est-ce que c'était difficile de le coacher ? Et puis qu'est-ce qu'il a à perdre, Amir ? Parce qu'il a déjà un corps de rêve, Amir. Absolument, absolument. En fait, au départ, c'est une vraie relation humaine avec Amir, parce que comme vous pouvez le constater et le savoir, Amir, c'est un très, très grand cœur. Donc non, aucune difficulté de coacher Amir, plus une prise de plaisir. Et la volonté d'Amir, c'était vraiment d'augmenter sa résistance musculaire, d'augmenter sa force. 5, 6, perdre un peu de poids 7, aussi, mais plus dans la résistance et dans l'endurance. Je lui souhaite que du bien et une grosse, grosse carrière musicale et tout ce qu'il désire. Et alors Jennifer, raconte-nous comment elle a fait appel à toi. Donc après la perte de poids de Wesley, elle a dit que comme quoi qu'elle ferait appel à moi une fois qu'elle aurait accouché. Pour pouvoir retrouver sa silhouette magnifique. Magnifique. Exactement, ouais. Si tu devais définir, ta spécificité, ton originalité par rapport aux autres coachs sportifs, tu dirais quoi ? L'ambiance que je mets dans mes cours. C'est-à-dire, raconte-nous. Très fort caractère. On m'appelle ange et démon, donc c'est vrai qu'on a tendance à me faire confiance. C'est pour ça que tu as mis en rouge et noir. On a tendance comme Météor d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais le logo, tu es assorti au logo du Météor. À mon avis, tu as fait un peu exprès. Non, c'est vrai que j'ai une tendance à naviguer entre cette facette ange et démon, et on a tendance aussi à me faire confiance, et ce que j'apprécie aussi. Donc on remet rarement dans le sein de mon coaching, dans mes performances, on remet rarement mes choix et mes décisions en cause. Donc ça donne une énorme confiance en soi et ça me permet aussi de progresser et d'évoluer, de voir que les gens me font confiance. Ce qui me diffère des autres coachs, je le sais pas, mais en tout cas ce que moi je fais, c'est beaucoup de psychologie avant pour comprendre les raisons pour lesquelles l'élève perd du poids, comment ça se passe dans son cercle familial, pourquoi il a pris tout ce poids, pourquoi il veut le perdre. Et ça me permet de rentrer plus ou moins dans l'intimité de l'élève et surtout de faire un coaching en profondeur, et surtout qu'une fois que les kilos sont perdus, ne plus jamais les reprendre. En parlant de spécificité, ta spécificité, c'est de coacher des artistes, des stars.
Et ce qui est sympathique, je crois, puisque j'ai assisté à une de tes séances, c'est que pendant que tu coaches les artistes, en tout cas les chanteurs, ils se mettent à chanter pendant les exercices. Effectivement, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis en place de manière hasardeuse. C'était donc durant mes premiers cours avec Wesley. Je l'ai fait chanter pendant un gainage et ça avait fait un sacré buzz et j'ai trouvé ça marrant et aujourd'hui je m'amuse à le faire avec tous les artistes chanteurs qui sont capables et qui ont un peu d'odeur avec moi parce que bon c'est clair d'odeur que... d'heure de coaching ouais, d'heure de coaching parce que c'est vrai que si je fais ça au premier cours ça va pas le donner mais c'est vrai que après 5-6 heures de coaching on arrive à faire quelque chose de sympathique. En parlant de ça, Jérémy, j'ai vu une vidéo d'Amir qui était en train de chanter pendant qu'il faisait du gainage. On va regarder ça tout de suite. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, la plus belle source de plaisir, c'est toi mon horizon, magnifique, mon phare, toi mon oasis. Alors, Jérémy, tu es là aussi aujourd'hui pour nous parler d'un sacré défi que tu t'es lancé. Exact. Je crois il y a tout juste un an. Exact. Tu as dit, voilà, je suis coach sportif, mais moi-même, je vais prendre 30 kilos pour montrer aux élèves que c'est possible de perdre du poids et qu'on peut y arriver. Raconte-nous comment t'es venue cette idée d'abord de défi, pourquoi et raconte-nous tout. Alors, l'idée de défi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un coach sportif américain. Donc j'ai vu ça il y a un an et je me suis dit c'est une vraie idée, c'est un vrai challenge pour ce coach qui entreprend de prendre une trentaine de kilos pour assister son élève et de lui montrer qu'il était pas seulement son coach pour lui faire perdre de poids mais qu'il était partenaire et que surtout il était impliqué dans sa perte de poids. Et j'ai contacté donc la personne qui a fait l'interview en Amérique. Et donc elle m'a expliqué un peu le projet, l'engagement et je me suis dit ça serait un challenge que j'aimerais faire la mise en place de ce challenge comme lui l'avait fait, c'est quelque chose de relativement dur parce qu'en fait ils l'ont monté comme une télé-réalité. Ils ont installé des caméras, ils ont mis un vrai budget et je me suis dit si je le fais pas bien, eh ben, ça risque pas d'être crédible et surtout ça risque de pas faire l'effet escompté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé déjà dans ma tête à prendre ces 30 kilos et au fur et à mesure du temps, des jours et des semaines, je me suis rendu compte que je prenais du poids facilement. Donc j'ai continué à augmenter. Alors, qu'est-ce la que charge. Tu as fait pour prendre justement 30 kilos? Donc j'ai doublé dans un premier temps j'ai essayé de doubler mon deuxième repas, donc le repas du midi. Au fur et à mesure du temps j'ai doublé le repas du soir et au fur et à mesure j'ai commencé à prendre du poids doucement, ça a mis entre 6 et 8 mois à peu près. Et au fur et à mesure, donc je me voyais grossir et je me suis dit, ben, ça avance pas mal. Et donc il y a 5 semaines, je me suis retrouvé à pas loin de 100 kilos. C'est quand même un pari risqué de prendre 30 kilos, c'est pas rien. Déjà, c'est risqué pour ta santé. Effectivement. Mais quel était ton objectif? Pourquoi tu t'es dit, voilà, je vais prendre 30 kilos Qu'est-ce que tu espères à travers ce pari? En fait, c'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce que déjà... démontrer que c'était possible de le faire parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent que pour moi c'est facile, que c'est quelque chose de simple parce que je vis là-dedans, que je coach
et que c'est mon travail, que je fais maigrir les gens aussi. Et je voulais leur démontrer que non, c'est pas évident, même pour un coach sportif, c'est pas évident déjà d'une de prendre du poids, parce que c'est un vrai chamboulement pour moi et dans ma vie aussi. C'est un vrai défi aussi dans ma perte de poids, parce que je me rends compte que chaque âge, il a sa difficulté. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de faire du sport ? Est-ce que c'est plus difficile de te déplacer et de faire des efforts ? Oui, d'avoir entrepris ce challenge à pas loin de 40 ans. Ça te fait quel âge exactement ? 37 ans. 37 ans. C'est clair que la force de mes 20 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Mais il y a toujours une énorme volonté déjà dans un premier temps. Et j'ai un job qui me permet aussi de perdre un peu plus vite que les autres. J'ai les notions. J'ai aussi la faculté de pouvoir me motiver. J'ai une énorme volonté. Donc, c'est clair que ce n'est pas évident. Mais mon mental est relativement fort. Donc, c'est clair que... Alors justement, dis-nous quelles sont les qualités requises pour pouvoir entamer un coaching et donner envie à tous ceux qui ont du mal à perdre du poids, qui sont à 100 ou plus, d'avoir ce déclic et de se dire, bon, bah, c'est faisable, c'est possible. Quelles sont les qualités requises ? Qu'est-ce que tu déjà, leur dirais ? Déjà, dans un premier temps, il faut avoir la volonté de vouloir perdre du poids. C'est déjà le point de départ, la volonté, surtout des raisons qui poussent à vouloir perdre ce poids-là. C'est plus que de la volonté, non ? C'est de la détermination, je crois. Oui, détermination, volonté mentale, on peut l'appeler comme on veut, en fait. Chaque personne, ouais, chaque personne détermine, en fait, l'objectif. Moi, c'est une détermination à prendre, c'était une détermination à prendre du poids, une détermination aussi forte à que perdre ce poids-là. Maintenant, pour les personnes qui veulent perdre du poids, quel que soit le poids à perdre, on peut avoir des difficultés à perdre 3 kilos, comme on peut avoir d'énormes difficultés à en perdre 40. Mais c'est toujours le point culminant, c'est la détermination et la volonté de vouloir perdre ce poids-là et changer radicalement sa vie. Est-ce qu'il y a une morale que tu souhaites justement faire passer, véhiculer à travers ce pari que tu t'es lancé ? Ce que je veux faire passer comme message aujourd'hui, c'est que tout est possible et que si on a décidé de le faire et que ça reste une vraie ambition, il faut l'entreprendre. Alors justement, là, tu as perdu combien de kilos depuis que tu as commencé à... Donc j'ai commencé il y a 5 semaines et là, je suis à 13 kilos ce matin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre ces kilos ? Tu étais à plus de 100 et tu veux atteindre quel objectif ? Retrouver ta... J'ai déjà retrouvé mon poids de forme qui est entre 70 et 73 kilos à peu près. Alors, les grands conseils, je veux dire les grandes lignes du coaching en termes nutritionnel alors, et coaching sportif. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices ? Oui, alors ça c'est pas un problème en fait. Ça reste sur, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est que déjà il faut diminuer ses quantités alimentaires dans un premier temps, boire beaucoup d'eau pour éliminer un maximum et surtout respecter les horaires d'alimentation. Ce que je ne faisais pas quand j'ai pris mes 30 kilos. Ça veut dire quoi respecter les horaires d'alimentation ? Petit déj le matin à heure fixe, collation, heure fixe et ainsi de suite sur les trois autres repas. Donc midi et le soir, essayer en l'occurrence de terminer de manger vers 19h-19h30, je pense que c'est déjà pas mal. Déjà rien qu'en respectant ça, moi j'ai pu éliminer pas mal de kilos. D'accord. Et en termes sportifs, qu'est-ce que tu recommandes ? Moi je suis pas un super exemple parce que je fais du sport toute la journée, mais en termes de sport, si on arrive à faire entre une heure et un quart de cardio et un peu de fitness, déjà c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est vrai qu'on prend du poids, on a tendance à se laisser aller. C'est pas mon cas parce que je fais toute la journée du sport, mais pour les personnes qui entreprennent une vraie perte de poids, se faire aider aussi, ça joue beaucoup sur le mental. Ne pas entreprendre ça seul parce que c'est un vrai challenge, c'est dur, il faut l'admettre que c'est dur de perdre du poids aujourd'hui, on est tenté par plein de choses, donc prenez l'engagement de vous faire aider, même un petit peu pour mettre le pied à l'étrier, mais voilà, donc les grandes lignes, une heure, un quart de cardio, un peu de fitness et réduire son alimentation aussi.
Une heure et quart de cardio, combien de fois par semaine? Oh, la base, 2 à 3 fois, c'est déjà pas mal. C'est par déjà semaine. Pas mal. Par semaine, oui. D'accord. Et toi, comment tu as atterri dans le milieu? C'est-à-dire, comment tu es devenu coach? Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ton parcours? BP JEP, et ensuite le parcours qui a créé ma carrière, tout simplement, et surtout mon ambition et la carrière que j'ai aujourd'hui. Alors, Jérémy, il y a eu Amir Haddad, il y a eu Jennifer, il y a eu Wesley, il y a eu le groupe Kassav, il y a eu Myriam Abel, il y a eu Harry Habitant, il y a eu David Ababou. Il y en a eu plein d'autres qu'on va voir tout à l'heure, parce que je crois que tu vas nous le coacher en direct de Météor TV. Oui, mon petit brother. Parmi d'autres artistes qu'on va aussi découvrir avec toi. Il y a eu beaucoup d'artistes, mais est-ce que tu coaches que des artistes ou est-ce que tu t'adresses aussi à tout le monde? Non, bien évidemment que non. Les artistes, c'est de l'occasionnel. C'est pas du récurrent. C'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place parce qu'il a un planning qui est très, très... En général, les artistes ont des plannings très compliqués. Donc, c'est vrai que quand j'ai l'occasion de coacher des artistes, c'est avec grand plaisir et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à coacher des artistes. Mais bien évidemment, je m'adresse à toute personne, bien évidemment. Dernière question, Jérémy. Est-ce que c'est difficile de se coacher soi-même? Oui, bien sûr que oui. Même si aujourd'hui j'ai la rigueur pour coacher, d'avoir la même rigueur pour soi-même, c'est pas évident parce qu'on se dit toujours j'ai de la marge, c'est possible, je coach toute la journée, je marche entre 15 et 20 km par jour. Donc on se donne des circonstances atténuantes, mais il faut toujours garder en esprit qu'aujourd'hui, moi, je le prends comme un challenge, une prise de poids, une perte de poids. Et il faut pas se laisser envahir par des émotions ou par l'envie. C'est vrai qu'il faut avoir une rigueur et il faut aller jusqu'au bout de cette rigueur. Et d'autant plus que quand on prend une trentaine de kilos comme je l'ai fait, on ouvre son appétit, j'ai fait des choses, j'ai mangé des choses qui ont explosé mes papilles et que je n'avais pas fait depuis longtemps. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette petite voix qui me disait « tu vas le regretter » et je l'ai regretté. Parce que quand je me suis retrouvé à 100 kilos, le fait de ne pas pouvoir attacher ses lacets, c'est vraiment quelque chose de pas évident à gérer, de mettre une paire de chaussettes, de faire des choses. Et maintenant, tu arrives après les 12 kilos ou pas? Oui, j'y arrive un peu mieux, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais besoin aujourd'hui. Je pense que à la fois que ça a été mis en tant que challenge, ça a été mis aussi en tant que remise en question et ça m'a permis de comprendre différemment les gens que je coach et les élèves quand ils me parlent. C'est pas juste des conseils, là je l'ai vraiment je l'ai vécu différemment. Voilà, je l'ai vécu différemment et je pense que c'est pas encore fini, mais je pense que quand j'aurai perdu les 17 kilos restants, j'aurai appris et j'aurai gagné surtout peut-être en maturité. Donc on se donne rendez-vous dans 3 mois. Oui, à peu près, 3-4 mois. Où tu en es et comment tu seras. Voilà, après, je pense pour l'été ça devrait être bon, ouais. Bon alors voilà, le rendez-vous est pris cet été avec Jérémy Niza quand il aura reperdu tous ses kilos et qui nous dira comment faire pour nous aussi les perdre et être au top cet été sur les plages. Et maintenant, on se donne rendez-vous sur la plage de Tel Aviv pour assister en direct au coaching sportif de Jérémy Nizar. C'est parti, maintenant on va commencer le coaching des hommes avec David Smadja, le comédien que tout le monde connaît ici à Tel Aviv. Nous avons également Jordan Haddad qui a fait The Voice en Israël et qui est en train de préparer son album. Et bien sûr, celui que tout le monde connaît, c'est David Ababou. Ça va voilà. Les gars, comment vous vous sentez? On est chaud, on est au taquet. On va faire une séance de fou. On l'attend la séance. Ils savent pas ce qui leur attend, ils savent pas. Oh là là, nous non plus on sait pas, mais on va le savoir tout de suite. C'est parti. Shabbat Nekabela.
farkoumi lifshi big deti farter ami ani at ben shay betalach mi korba el nafshi ge ala le echadoni li khat kala ben shabat ne kabela le echadoni li khat kala Dis-leur que je t'ai pas tué cette semaine. Il m'a déchiré. Même il y a plein. Il m'a donné envie de retourner dans le ventre de ma mère, d'arrêter la musique. C'est pas possible, c'est pas vrai, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Avec tout ce qu'il est en train de me faire vivre cette semaine. Non, j'ose pas vous montrer, mais c'est dans la bonne voie. Bientôt. Merci Jérémy, c'est le meilleur.